Un grand sourire, Anthony, quelle finale! Ouais, ben j'ai fait. C'était de conditions très difficiles, donc c'était un peu à mon avantage. J'ai pris mon temps dans les deux manches, et là, la deuxième manche, je pars loin. J'ai fait une erreur au premier tour, je suis pas monté à la première montée. Et je remonte, je gagne, je fais un podium, je suis super content de terminer la saison comme ça. Bon, quand tu as vu la météo, tu étais optimiste? Non, pas vraiment, mais bon, en ce moment, je suis beaucoup dans le supercross, j'ai pas pu beaucoup m'entraîner. Et c'était en France, c'était la dernière, et j'ai bien fait de venir. On va dire que ça sauve la saison de motocross qui a été compliquée. Supercross, ça va bien, le motocross, c'était difficile. Hein. Ouais, c'est vrai que cette saison, ça a été une saison un peu compliquée en motocross. Je me suis rattrapé en supercross, ça se passe plutôt bien en ce moment. J'espère continuer sur cette lancée, et puis voilà. Alors ça te donne envie éventuellement de faire plus de motocross ou pas, d'essayer de continuer, parce que c'est compliqué, l'Europe, le mondial? Oui, ben, j'ai jamais perdu de vue le motocross, hein. Je continue et je persisterai encore la saison prochaine, mais je sais que ça devient un peu compliqué en motocross, surtout en MXGP, et donc voilà, on verra bien ce qui se passe dans les années à venir. On va pas dire que c'était un break, mais maintenant à fond sur le supercross, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de courses. Ouais, là maintenant je retourne à l'entraînement en supercross, et il va avoir les indoors, Montpellier, Paris, ça retourne à Paris, donc c'est top. Et puis voilà, j'espère continuer sur les podiums, et c'est top pour moi. J'espère. Bravo, un bon week-end. Ouais, un bon week-end pour moi. Je remercie toute ma famille, Adrien Lopez qui était là, et voilà, merci à tout le monde.